والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Un frère m'a posé la question sur ce qu'on appelle l'état du fana, ou l'état d'extinction totale que peut vivre un wali ou quelqu'un qui chemine vers Allah. Cette extinction totale qui veut dire, si on essaie de simplifier la chose, l'état spirituel dans lequel le croyant est tellement pris et attiré par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il oublie toute autre chose, que la présence d'Allah le dispense de tout autre besoin, que ce soit besoin de manger, de boire, de communiquer avec les hommes. C'est cet état naturel quand on est en présence d'Allah, quand on ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il m'a posé la question si cet état peut dispenser le croyant du besoin de manger, et si le mois de Ramadan est une expérience qui nous rappelle notre satisfaction d'Allah et cette satisfaction qui nous dispense du besoin ou de l'envie de manger ou de boire. Au fait, l'homme est créé pour être en perpétuel état de présence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec son corps, avec son esprit, avec son intellect, il est tout créé pour être avec son créateur Allah. Mais on peut croire et on peut dire comment ça se fait, comment on peut être dans notre travail, avec notre famille, avec nos amis, et côtoyer les gens et être avec Allah en même temps. Ça paraît un peu impossible, difficile, inimaginable, mais on est créé pour ça. Il doit bien y avoir un moyen pour atteindre cet état. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oublie pas, à aucune seconde, à aucun moment, jour ou de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des milliers et des millions de bienfaits de sa part, et il ne nous oublie pas une seconde. Ça veut dire, il veut que de notre part aussi, on ne l'oublie pas une seconde. Il est généreux, présent, donneur avec nous, pour que nous, on se rappelle de lui à chaque instant. Mais notre cécité du cœur nous empêche de voir ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de fermer les yeux comme s'ils n'existaient pas et de ne pas nous donner les moyens et ne pas nous donner l'effort de réagir à cette générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas par une reconnaissance verbale en disant Dieu merci, Alhamdulillah, on l'oublie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les adorations qu'il nous a recommandées sont faites pour qu'on se détache de ce monde matériel et qu'on s'oriente vers lui. Et qu'à chaque moment, on dit à Allah, « Oh Allah, c'est vrai que je travaille, mais mon travail ne me fait pas oublier Allah. » C'est vrai que je me marie, mais ce mariage ne me fait pas oublier Allah. C'est vrai que j'ai des enfants, mais ces enfants ne vont pas me faire oublier Allah. C'est vrai que j'ai de l'argent, mais cet argent ne va pas me faire oublier Allah. C'est vrai que j'ai de la santé, mais cette santé ne va pas me faire oublier Allah.
Je ne vais pas prendre un bienfait de toi pour que je m'en serve pour t'oublier. C'est l'ingratitude absolue. Donc, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de travailler, de gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins de nos proches et aux gens qui en ont besoin. Mais il nous impose, il nous recommande de faire de l'aumône, la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire zakat? C'est comme si on dit Allah, Allah, tu m'as donné l'argent, mais cet argent, je vais m'en servir pour me rapprocher de toi. Cet argent, je vais m'en servir et je veux le dépenser pour te dire que cet argent n'est pas plus précieux que toi, ô Allah. La prière, quand on fait la prière, ça veut dire, ô Allah, c'est vrai que j'ai des occupations, mais quand j'entends le muaddin qui dit Allahu Akbar, je laisse tout tomber et je viens à toi avec mon corps et mon esprit pour me soumettre à toi, ô Allah. Donc, toute adoration, même le hajj, quand on va à le hajj, c'est comme si on dit Allah, ô Allah, j'ai mes occupations, ma famille, mon travail, mon train-train quotidien, mais c'est le moment d'aller vers toi, donc je laisse tout tomber, ma famille, mon pays, ma maison, et je viens à ta maison, ô Allah, rien ne me fera oublier ton visage. Donc, toutes les adorations sont faites pour nous détacher de tout et pour aller à Allah. Tout en mettant l'accent sur la prière qui est une adoration complète, qui regroupe toutes les adorations. C'est une prière, c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à faire en toutes circonstances. On doit faire les ablutions et on doit faire la prière. Tu peux faire les ablutions, tu les fais. Il n'y a pas d'eau, tu es malade, tu ne peux pas servir, tu peux pas te servir d'eau, tu fais le tayammum. Mais tu dis pas, je peux pas, donc je vais pas le faire. Tu peux faire la prière debout, tu la fais debout. Tu es malade, tu la fais assis. Tu es alité, tu la fais allongé. Mais rien ne te permet de dire que je n'ai pas pu faire les ablutions et je n'ai pas pu faire la prière et je ne l'ai pas faite. Parce que c'est une adoration centrale, le pilier central de toutes les adorations qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans la prière, il y a les cinq piliers de l'islam. Il y a la shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On le dit dans la prière. Il y a as-salat, il y a az-zakat, l'aumône. On donne de l'argent quand on fait la prière. Ça veut dire quand on est dans la prière, pour faire la prière, il faut du temps. Il faut que je prenne un bout de temps pendant lequel je fais ma prière. Donc, ce bout de temps, c'est de l'argent. C'est le temps pendant lequel je peux travailler et gagner de l'argent. Donc, en faisant la prière, je donne de mon temps, donc de mon argent. Je fais zakat, je fais siyam, je fais le jeûne. Je n'ai pas le droit de manger quand je fais la prière. Donc, je fais le jeûne. Je fais le hajj, puisque je m'oriente vers la Kaaba, la Mecque. Donc, c'est un hajj, un petit hajj, si j'ose dire. Donc, la prière, c'est une adoration qui est totale et complète et dans laquelle on se soumet entièrement à Allah. On est debout devant Allah, orienté là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous orienter, avec une certaine posture du corps. Donc notre corps est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et fait des gestes de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en s'inclinant et en se prosternant. L'intellect qui est orienté vers le Coran qu'on récite, le Coran sur lequel on médite et qu'on récite, on doit y penser avec notre intellect, notre langue qui récite le Coran, notre cœur qui est présent avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre corps qui a cette posture de soumission avec Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une adoration complète qui, si on ose dire, regroupe toutes les adorations
des piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam. Donc, l'état de fana, c'est la prière. Donc, il ne faut pas... C'est vrai, des fois, on a cette curiosité de savoir ce que peut ressentir un wali ou comment il est cet état, mais il faut parler de nous. Nous, simples, petits, prétentieux croyants, si j'ose dire, quel est notre état de fana et quand est-ce qu'on peut espérer vivre cet état de fana? Cet état de fana, il faut essayer de le vivre pendant la prière. On entend Allahu Akbar, Allahu Akbar, on oublie tout, on lâche tout et on va vers notre petite source d'eau pour faire nos ablutions et nous préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout notre corps et tout notre esprit. C'est ça l'état de fana. Oublier tout et tous les besoins qu'on peut avoir. D'ailleurs, quand on lit les récits sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui quand ils étaient dans leurs occupations, ou bien dans leur dialogue, ou bien dans leur travail, dès qu'ils entendent Allahu Akbar, ils deviennent comme des fous. Ils lâchent tout et ils s'orientent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est notre état de fana. Travaillons notre fana dans la prière. Travaillons notre présence de cœur, corps et esprit, intellect avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant la prière. Ça, c'est notre fana. Mais le fana des awliya et des gens qui cheminent sérieusement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre dimension qu'on ne peut pas comprendre et dont on n'a pas le droit de parler. C'est une expérience qu'on doit vivre seulement, ne pas raconter et ne pas en parler, parce que c'est quelque chose de très personnel et de très intime pour chaque chemineur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre fana, c'est la prière. La chose qui nous fait oublier tout, c'est la prière. La chose qui nous fait dispenser de tout, c'est entendre Allahu Akbar, Allah est plus grand. Tout notre intérêt et toute notre intention doit se diriger en ce moment, le moment d'entendre Allahu Akbar, vers la prière, notre fana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.